on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog, quelques jours avec moi. Donc là je m'apprête à tourner une vidéo que vous aurez déjà vue je pense vendredi. Pour le make-up, voilà ce que j'ai réalisé ce matin avec, j'ai testé des petits produits de la marque Dr Pierricot. Donc ça je vais les utiliser tout au long de la semaine et je vous en parlerai en la fin de la semaine. Je vais déjà vous présenter les petits produits. Donc c'est des produits de la collection Noël qui est... comme ceci au niveau du packaging. Je vous avais posté une photo sur Instagram, je vous la remets juste ici. Donc on a la poudre merveilleuse teint, donc c'est celle que j'ai utilisée pour poudrer mon teint aujourd'hui. Donc c'est une poudre qui est pas matifiante mais qui est assez lumineuse, donc c'est pour ça que j'ai l'impression un petit peu de briller. Donc je pense que là je l'ai utilisée juste par dessus mon fond de teint, donc c'est une poudre qui est comme ceci avec plusieurs teintes, donc c'est un petit peu une teinte universelle. On a une petite éponge avec. Donc je pense que demain je vais l'utiliser, je vais poudrer mon teint habituel et je vais repasser un petit coup par dessus pour un petit peu illuminer le teint. Donc je vais l'utiliser de plusieurs façons pour voir ce que ça donne. Dans cette collection Noël, ils ont sorti également un crayon qui est le crayon pour les yeux. La teinte c'est or rose. Donc vous pouvez l'utiliser sur la paupière mobile, la totalité de la paupière mobile, ou en petit trait. Il est vraiment très lumineux, très joli. Vous pouvez ici ou même le mettre ici en accent, en coin interne, etc. Donc voilà, et ils ont sorti également deux nouveaux vernis. Je trouve que ça ressemble énormément au vernis, au packaging Yves Rocher. Donc comme c'est la même maison, Yves Rocher et Dr Pierricot. Donc ils se présentent comme ceci, ils sont vraiment très jolis. Donc vous pouvez les utiliser seuls ou en accent nail par-dessus un autre vernis par exemple. Donc on a celui-ci qui est argenté mais qui fait un petit peu plus nacré je trouve. Et on a celui-ci qui s'appelle le or rose qui est vraiment très joli. Donc je pense que je vais en mettre un sur mes pieds cette semaine puisque là j'ai pas de vernis sur les pieds. Donc voilà un petit peu pour les produits de la marque Dr Pierricot qu'ils ont sorti pour Noël. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Quand vous l'entendez, je parle encore du nez, hein, c'est compliqué. Pour le petit make-up, ça arbitre de partout parce que là je m'en vais aller tourner. Je me suis pas trop apprêtée pour au niveau des cheveux parce que je vais vous tourner un haul Dress Lily. Donc je vais faire que de m'habiller, déshabiller, déshabiller. Pour les yeux, c'est la première fois que je l'utilise. Donc c'est celle-ci, c'est la rouge de chez Make-up Revolution, enfin I Heart Revolution, qui était dans la collection Halloween, c'est la Blood. Donc il se présente comme ceci. Je trouve qu'au niveau des teintes, elle ressemble un petit peu à la cranberry, je crois que c'est. Attendez, je vais vous sortir la chocolate, elle est où? Cranberry. Je trouve que peut-être au niveau des teintes, on est quand même assez proche. Oui et non, c'est un petit peu plus lumineux, je dirais, sur... voyez, sur la celle-ci, elle est un petit peu plus peps que la cranberry. Donc un petit peu plus sombre, c'est pas trop les mêmes teintes. Donc j'ai utilisé donc cette palette pour le make-up, je n'avais pas encore utilisé celle-ci. Donc voilà ce que ça donne. Et par-dessus, j'ai mis ce que je vous ai présenté dans mon tiroir beauté, les petits kits comme ceci de chez Beauty Bay, qui était en promo, qui était à moins 25%. Donc j'ai mis par-dessus, je ne sais pas si on va les voir, voilà ça brille quand même. J'ai mis les pigments ici sur la paupière, j'ai mis le Baby, qui a un pigment un petit peu rosé. Et pour les lèvres, j'ai mis le Dreamy, qui est un rouge à lèvres crémeux. Il est très joli, c'est un très joli rose, un petit peu baby, dreamy, donc en bâton. Donc il est confortable sur les lèvres. Voilà, à voir ce que ça donne sur la durée dans la journée. Donc, mais franchement, ces pigments, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Vous voyez comment c'est lumineux? Ça fait un truc de... Donc bien entendu à utiliser avec une colle glitter, sinon vous en fichez partout. Donc voilà un petit peu pour les petits produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc là je vais aller tourner la vidéo haul Dress Lily mode, etc. Pour les petits, le petit top, donc c'est un petit top Dress Lily avec noir et le bas blanc. Vous l'aurez vu de toute façon dans la vidéo Dress Lily. Et en petit bijou, j'ai mis ma bague... vous avez vu dans le haul AliExpress, je vous la remets en barre d'infos. Et des petites boules d'oreilles de chez Action. Voilà, je vais go filmer. Là ce matin, je suis toute seule, on est le 11 novembre, je ne vous ai même pas dit. On est le 11 novembre, il doit être pas loin de 11h. Ce matin, je suis toute seule à la maison. Mon fils est parti avec les JSP pour une commémoration pour l'armistice jusqu'à 13h. Et le chéri est parti avec les copains jouer au foot. Il pleut à verse, ils vont être trempés l'un et l'autre quand ils vont revenir. Donc je vais essayer de me dépêcher de tourner le haul Dress Lily pour que quand ils arrivent, et eh bien quand il va aller le rechercher après le foot, que le manger soit fait, etc. Donc
Wally Walou. Donc on se retrouve tout à l'heure. De toute façon, aujourd'hui, il n'y aura pas de courrier. On se retrouve tout à l'heure, je pense, parce que j'ai des petites choses à vous montrer que j'ai reçues samedi dans la boîte aux lettres. Donc à tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est. Je viens de finir de tourner. Il est quelle heure? Il est 11h30. Là, vous voyez, j'ai gardé la salopette que vous avez vue. Donc, je pense que je vais aller faire des petits points avant de la mettre à laver, etc. Et puis, je vais enlever toutes les étiquettes, etc. pour pouvoir aller mettre tout ça à laver. Il est 11h30, donc je pense que je vais aller regarder ce que je vais faire à manger. Je pense que je vais faire du poulet, un sauté de poulet, je pense, au cookéo, avec des épices, etc. Je sais pas si la pluie s'est arrêtée de tomber. Je vais voir. Ça pluviote encore. C'est vraiment un 11 novembre dans toute sa splendeur. Vraiment 11 novembre dans toute sa splendeur. Donc je vais me rhabiller avec le petit haut, avec les perles. Et puis je vais aller faire à manger. Et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer les petites choses que j'ai reçues samedi. Et oui, je voulais vous montrer également, puisque là je suis en haut. Regardez pas le bazar, puisque du coup j'ai fait les essayages. J'ai trié pas mal de choses. Donc comme je voulais montrer sur Instagram, j'ai trié tout ce côté-là. J'ai fait pas mal de tri. Il y aura deux gros sacs là qui vont être mis en vente sur mon Vinted. Donc je vais mettre au fur et à mesure. Donc il y a des rouges à lèvres, il y aura des bronzers, des gloss, il y a des blushs, enfin blush, bronzer, highlighter, etc. Donc j'ai mis ça comme ça pour l'instant de ce côté là donc de ce côté là tout est trié, toute cette tour là Alex est trié, cette tour là aussi est triée puisque ce sont des palettes. Donc de ce côté là vous allez me demander les rangements, c'est des rangements qui viennent de Action, Amazon, AliExpress. Si j'arrive à vous retrouver les liens sur Amazon, ben, je vous mets tout ça. Donc là j'ai remis tous mes rouges à lèvres NARS, etc. Ici, j'ai remis tous mes Zoeva. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Ici, j'ai mis tous mes Zoeva. Dans celui-ci, j'ai mis tout ce qui est mes Colourpop, mes Marc Jacob, un peu de Kiko également. Ici, on a tous les mini Huda, les mini jouets, les Lime Crime. On a des The Balm, on a des Morphe Brush. Ici, j'ai mis un petit peu tout ce qui est gloss, mais un petit peu brillant, un petit peu Sheers, on va dire. Dans celui-ci, j'ai mis quelques Kiko et mes crayons de chez N Cosmetics, que j'aime beaucoup. Je vous avais parlé dans le tiroir beauté, il me semble. Et dans celui-ci, c'est tout ce qui me reste de crayons à lèvres qui font un peu rouge à lèvres, que j'avais trié, que j'ai mis le reste en vente sur Vinted. De ce côté-là, on a... De ce côté-là, on a tout ce qui est liner. Donc là, on a tout ce qui est liner un peu noir. Ici, les colorés. Ici, les pailletés. Tout ce qui est pailleté. On a tout ce qui est topper, les fards à paupières liquides un peu pailletés. On peut faire également des thread liner. Également ici aussi. Ici, j'ai mis un petit peu tout ce qui est indéfini. Je ne sais pas si je vais encore garder ça. Je vais trier. Ici, on a tous les rouges à lèvres métalliques. Et dans le dernier, on a tout ce qui est un petit peu crème entre le laqueur et crème, essentiellement Make-up Revolution. Voilà. Ici, j'ai mon coin parfum. Je vous remettrai le lien de ce truc-là sur Amazon. C'est ultra pratique. Vous pouvez mettre beaucoup, beaucoup de parfum dessus. C'est vraiment ultra pratique. Donc, dans ce tiroir-là, dans ce Alex-là, on a tout ce qui est pigments, les paillettes, etc. Un petit peu toutes les marques. Ici, il faut encore que je trie tout ce tiroir-là. Ce sont des rouges à lèvres bâtons essentiellement. J'avais déjà fait un premier tri, mais je pense que je vais refaire un tri parce qu'il y en a beaucoup que je n'utilise pas. Donc celui-ci, c'est tout ce qui est fard à paupières individuel. J'ai beaucoup, beaucoup... J'ai fait des lots sur Vinted d'une quinzaine pour à tout petit prix. Donc j'ai essentiellement gardé des Kiko. J'ai gardé des PB cosmétiques qui vont me servir de base pour les paupières. Et j'ai gardé tout ce qui était assez métallique. Ici, on a tout ce qui est crayon pour les yeux. Donc c'est pareil. J'ai fait pas mal de tri, donc tout ça je garde. J'en ai vendu également aussi sur Vinted. Ensuite derrière là, il faut que je remette dans l'autre tiroir, c'est tout ce qui est pour le teint. On a du contouring, donc faut après je reclasse. Ici on a tout ce que j'ai gardé pour en highlighter. Donc autant vous dire que le tiroir était plein, j'avais deux tiroirs, donc j'ai plus que ça. Et il y en a quelques-unes au fond ici qui sont en palette. Ici on a tout ce qui est blush. Ici, on a tout ce qui est bronzer. Vous voyez, j'ai fait beaucoup de tri. Hein. Et après, les deux autres tiroirs sont vides. Donc, j'ai encore de quoi ranger. J'ai encore de quoi ranger. Donc, je suis contente parce que ça prend forme. Et de ce côté-là, j'avais mes rouges à lèvres ici. J'ai remis toutes mes palettes.
J'ai mes crayons, il faut que je fasse du tri également. Donc ça, c'est les palettes qu'il faut que je teste dans la semaine là, ou dans les semaines qui viennent. Donc voilà un petit peu pour ce petit coin rangement. Je vais enlever toutes les étiquettes. Tout est en bazar sur le lit. Ça, je vais le remettre dans le couloir. Je m'en suis servi pour faire le trépied pour filmer. Je vous fais voir ma petite tenue dans le miroir. Comme ça, je vous mettrai le lien. Mais vous l'avez déjà vu dans le vlog. Je vais vous mettre un peu de lumière. Parce qu'alors, il repleut à fond les ballons. Donc, la petite tenue, c'est ce petit sweat. C'est pareil, je pense que j'aurais dû prendre une petite taille en dessous. Je ne sais plus combien je l'ai pris. C'est un genre de petit pull avec plein de petites perles. Avec le bas, on a l'impression qu'on a une chemise. Vous voyez, sur l'arrière aussi, on a l'impression qu'on a une chemise en dessous. Et j'ai mis ça avec des petites chaussures. Je sais plus où c'est que j'avais eu ces chaussures-là. Ah, la porte. Et moi, je retrousse les manches. Et voilà, donc je suis habillée pour la journée. Donc, je vais ranger tout ça, enlever les étiquettes. Aller faire à manger. Et je pense que je vous retrouverai demain. Parce que le petit chose que je vais vous montrer, je vous le montrerai demain. Et je viens accessoirement de me casser un ongle en ouvrant un tiroir. Faut que je refasse mes ongles. Cela, ça fait 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, ça commence à être vachement fragile. Bon, je pense que dans la semaine, je vais refaire mes ongles. Mais celui-là, il va falloir que je refasse avant parce que ça me fait mal. Il est cassé. Il est cassé. Donc, j'enlève toutes les étiquettes. Je suis sous la lumière. On a l'impression que j'ai un œuf sur la tête. Voilà. Ben, on voit bien le derrière là. Vous voyez, comme ça fait l'impression comme si on avait une chemise. Mais bon, il est super agréable à porter. Très sympa. Donc, j'ai enlevé les étiquettes. On se retrouve demain pour une nouvelle journée. Je suis coiffée comme l'as de pique. Je vais faire à manger. À demain. Hello, on est mardi, oui c'est ça mardi, il est 9h30, je viens de finir de me maquiller, donc pour aujourd'hui j'ai utilisé une nouvelle palette de chez, enfin une nouvelle, pour moi puisque je ne l'avais pas encore utilisée, c'est la Utopia, c'est une Flawless, Forever Flawless de chez Makeup Revolution, c'est celle-ci, c'est la Utopia, donc ils en ont sorti plein, des comme ça métalliques, ah. Donc voilà ce que j'en ai fait. Donc j'ai utilisé le fard violet ici pour le creux, un petit peu de bleu ici également. Pour ma paupière mobile, j'ai utilisé celui-ci. Et pour le ras de cils, j'ai utilisé ce bleu-là avec un petit peu de rose. Donc bah, ça travaille très bien. Donc je pense que je vais l'utiliser plusieurs fois cette semaine, celle-ci. J'ai mis en muqueuse un petit peu de crayon de chez Sephora, qui est un crayon gel, il me semble, waterproof. C'est la teinte, j'en sais rien. Pick up blue nacré. Pour les lèvres, j'ai fait un petit duo, mais je pense que ça va pas tenir. J'ai pas attendu, je pense que le rouge à lèvres soit assez sec. C'est un glam metal mat de chez Hen Cosmetics, qui est le 507, c'est le poche rubine. Et par dessus j'ai mis un petit peu de rouge, un gloss de chez Pixi, que je vous ai présenté dans la vidéo Pixi. Pour le coin interne, j'ai testé, alors je vais le refermer avant de le glisser, sinon j'en fiche partout. J'ai testé les petites choses comme ça, vous savez, c'est les highlighters poudre libre de chez Makeup Revolution. Donc voilà, voilà ce que j'ai utilisé pour aujourd'hui. Et pour le fond de teint, toujours le Nabla. La poudre aujourd'hui, je l'ai utilisée différemment. Je vous avais présenté hier, donc de chez Dr Pierricot. J'ai poudré mon teint comme habituellement. Et j'ai passé un petit voile de celui-ci. Donc on va voir ce que ça donne. Parce que je trouve que hier, ça a beaucoup foncé mon teint, trop orangé. Donc on verra ce que ça donne aujourd'hui. Ça fait vraiment une petite teinte de finition lumineuse. Par contre, pour l'highlighter, j'ai utilisé mon duo comme ça. Là, celui-là est bientôt terminé. Au niveau du bronzer, je pense que celui-ci, je vais m'en racheter un parce que c'est vraiment top. Je vais en avoir peut-être, en prendre même peut-être plusieurs dans deux backups. Les petites boules d'oreilles, pareil, je vous les mettrai en barre d'infos. Elles sont toutes légères. Il n'y a pas longtemps, je les ai reçues. Vous les aurez sûrement dans le prochain haul AliExpress puisque j'ai reçu quasiment tout ce que je voulais recevoir. Donc là ce matin au programme c'est ça, hier soir j'ai refait mon comblage de acrylique. Donc aujourd'hui je vais mettre la couleur, donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. Si je fais quelque chose un petit peu dans les marrons, un petit peu prune, je sais pas, j'ai des petites couleurs là-bas en semi-permanent qui me tentent bien là-haut, un petit peu en marronné avec... des strass, je sais pas trop encore ce que je vais faire, donc je vous montrerai une fois que ça sera terminé. Et puis j'ai pris après ça j'irai chercher le drive, parce que j'ai fait faire un drive là à Intermarché pour 13h ou midi et demi, un truc comme ça. Donc comme ça je vais aller chercher tout ça tout à l'heure.
Donc hier après-midi j'ai fini le montage de la vidéo Dress Lily. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier après-midi? J'ai fini ma compta, donc elle est partie ce matin en courrier. Mon chéri est parti avec la grosse enveloppe, elle est partie ce matin en courrier. Donc ça c'est fait, puisque avec les jours fériés j'avais pris un... Voilà, Google. Avec les jours fériés j'avais pris un petit peu de retard sur la compta. Donc je fais mes ongles, je vous montre quand c'est terminé et puis après je vous montre les petites choses que j'ai reçues de la part de Merci Andy, des petits gels et crèmes pour les mains que j'utilise habituellement. Donc à tout de suite quand j'aurai fini ça. Je vais voir quelle inspiration ça va me donner, je ne sais pas encore. Donc je reprends, il est 10h30, oui, 10h30. J'ai mis à peu près 45 minutes pour savoir ce que j'allais faire en manucure. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais monter un peu mon t-shirt pour pas que ça soit trop décolleté, pas attraper refroid. Donc voilà, je vais enlever les swatchs, j'ai fait des swatchs. Je vais faire les photos. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait quelque chose un petit peu esprit automnal avec un genre de vert kaki. Ici il y a du foil. J'ai mis des petits genre de sequins, chose comme ça. Voilà, et ici j'ai mis des strass un petit peu orangé. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre ce que j'ai utilisé. Allez, c'est parti. Donc je vous mettrai, si je peux, si c'est encore disponible tout ça, j'en viens quasiment d'AliExpress. Donc j'ai mis ces petits, ces petites roulettes de strass, j'en ai mis un sur chaque ongle, celui-là qui est au milieu si ça me fait le focus, voilà. J'ai mis des petites lunes, c'est pareil que j'avais eu dans un kit, je ne sais plus sur quel site. Les petits strass qui sont ici sur ce doigt, c'est ceux-là, c'était un que j'avais acheté sur Ali. La petite colle pour le foil ainsi que le foil qui est fait un peu marbré. Je vais m'en recommander d'autres effets marbrés. Ce stylo là, je vous le remettrai ici aussi en barre d'infos parce que vous avez été, il y en avait une d'entre vous qui me l'a demandé, mais il faut que je retrouve le lien. Donc de ce côté là, c'est pour attraper les strass et ici on peut les replacer. Et les deux vernis Elite 99 en semi-permanent. Donc on a le NU010 et on a le NU004. Donc voilà pour la petite manucure de... Voilà, on est tranquille pour 15 jours, 3 semaines, 15 jours, ouais, 15 jours, 3 semaines. Et j'ai, pour finir, pour fixer le tout, j'ai mis du... il est où? J'ai mis du Quick Finish de chez Ongle 24, s'il me fait le focus. J'ai mis une couche de Quick Finish gel par-dessus de chez Ongle 24. Donc si vous voulez savoir comment je fais mes ongles... Si vous voulez savoir comment je fais mes ongles, eh bien vous avez, je vous remets la petite fiche juste ici de la playlist Night Art. Vous avez plein de Night Art, vous avez plein de choses dedans. Donc si vous voulez savoir comment je fais ça et comment je fais mes ongles en acrylique maintenant. Je pense que je vais me recommander un kit parce qu'il a bien descendu. Bon, le rouge à lèvres, j'ai voulu mettre avec le gloss mais ça va pas tenir. Je vais mettre une petite veste. Je vais aller finir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de fil de la miniature, etc. Je pense que je vais faire des petites photos aussi pour Instagram, pour la manucure. Accessoirement, je vais aller aussi, je crois que j'ai un ou deux devis à faire, à envoyer au client. J'ai une relance paiement à faire aussi, enfin j'ai un petit peu de boulot. Donc il est 10h30, j'ai jusqu'à midi pour le drive, donc ça me laisse 1h30 pour bosser, c'est très bien. Là ce matin c'est tout gris, tout plein de vent, tout plein de moche, hein, tout plein d'automne. Je crois que c'est l'hiver, c'est 21 décembre je crois, c'est ça, 21 ou 22. Donc je fais mes petites photos et je vous retrouve tout à l'heure en revenant du drive. Et puis, je vous montrerai les petits produits Merci Andy parce qu'ils sont en bas. Donc voilà, je suis au rez-de-chaussée. Finalement il est 11h moins le quart. J'ai des colis, je ne me rappelais plus que j'avais des colis à aller déposer au relais colis. Donc des colis vintage. Ça. Donc je vais prendre ça et comme j'ai le drive, en général une demi-heure avant c'est prêt. Vous voyez, j'ai plein de colis vintage à aller déposer. Donc je vais aller au relais colis qui est à quoi 10 minutes de la maison. Et en même temps, je vais, comme sur le parking d'Intermarché, il y a un Jiffy. Il y a longtemps que je ne suis pas allée faire un tour à Jiffy. Enfin, chaque fois dans le Jiffy, il n'y a jamais rien. Mais bon, enfin bref. Je vais aller chercher les courses. Et comme en général, le drive est prêt toujours une demi-heure avant. Je vais aller au relais à 11h. Là, je vais au relais. Après, je vais aller faire un petit tour à Jiffy. Comme ça, j'attends le petit message du drive.
on sera bon. Donc je vous retrouve tout à l'heure quand je suis rentrée de tout ça pour voir si j'ai trouvé des petites choses chez Jiffy et tout. Voilà, je vous reprends, il est midi, je viens de rentrer. Donc le drive, hein, c'est la life. Donc j'ai eu le temps de faire mon tour quasiment 3/4 d'heure à Jiffy. J'ai trouvé 2-3 bricoles à Jiffy. Je vais vous montrer ça, sauf une petite chose qui est pour un petit cadeau de Noël. Donc je ne sais pas si la personne regarde, mais c'est pour une de ma... la fille de mon neveu, donc ma petite nièce. Alors, on va enlever le pain du drive. Donc je ne vais pas vous le montrer. Par contre, je me suis repris ça à Jiffy, des crocs, mais moumoutés, parce que mes chaussons que j'avais achetés chez Action, ça y est, ils sont flingués. Ils ont fait un an quand même pour 4 euros. Donc ceux-là, c'est la marque Hips, ça fait comme les genres de crocs. Et je les ai payés, je crois, 7,99, un truc comme ça. Il me semble, attendez voir. Yeah. H. 6,90. Ensuite, donc j'ai pris un petit puzzle, hein, je ne vais pas vous le montrer, mais j'ai pris un petit puzzle en bois pour ma petite nièce. J'ai pris ça, le truc super glam, du raticide souricide, puisque ça fait plusieurs jours Enzo qui dit qu'il entend des bruits au grenier. Il dit oui, j'entends des choses qui grimpent, qui grattent, etc. Donc comme là il commence à faire froid dehors, je pense que bah, ça a dû peut-être rentrer. Donc j'ai pris ce truc là, on va voir si ça fonctionne, raticide, souricide, super appétant, 15 sachets, prêt à l'emploi, au bout de 35 jours efficace. Donc on va voir avant que ça ne prolifère, parce que ça va très vite les souris. Déjà l'année dernière on en avait entendu quelques-unes et puis mon mari avait été voir et finalement il n'y avait pas de crotte, il n'y avait rien. Alors est-ce que c'est juste des choses qui se trimballent, donc voilà, ou alors c'est mon fils, j'en sais rien. Dans le doute j'ai dit je vais voir à Jiffy s'il y en a, et oui il y en avait, parce qu'à l'Action il n'y en a pas je crois de raticide. Voilà, c'est fait. Donc ça c'est fait. Je vais. Il fait vraiment très froid là aujourd'hui. Très très froid. Très très froid. Donc le drive, c'est la life. Hein. Je vais ranger tout ça. Je vais me faire à manger également. Je pense que ce midi, je vais me faire un peu de blanc de poulet. Et puis un peu de salade verte. Et ah, j'ai des pâtes au. Comme j'avais pas prévu pour moi ce midi, parce que je pensais aller chercher le drive beaucoup plus tard, je pense que je vais me faire des pâtes avec un petit peu de blanc de poulet. Je dois avoir des pâtes végétariennes, vous savez, c'est des pâtes lentilles corail, je pense que je vais me faire ça. Et voilà, ça ira bien pour ce midi. Et ce soir, c'est un gratin, etc. Donc je vais ranger tout ça. Je vais mettre une petite série en route, comme j'ai recommencé la série Glitch, parce qu'il y a la saison 3 qui est sortie. Mais je comprenais plus rien, alors j'ai dû louper un épisode, je ne sais pas. Donc j'ai repris dès le début la saison Glitch. En fait, pour vous résumer un petit peu, c'est des personnes qui reviennent à la vie dans un cimetière et bah, ils veulent découvrir pourquoi. Mais ils sont emprisonnés dans la ville parce qu'ils ont, dès qu'ils sont franchissent une certaine limite dans la ville, bah, ils meurent. Donc voilà, il faut qu'ils découvrent pourquoi ils sont emprisonnés, pourquoi la zone elle se rétrécit, etc. Donc il y en a qui ont plus d'une centaine d'années, il y en a qui étaient morts d'un cancer, puis finalement le cancer elle est revenue mais elle n'a plus du tout de cancer. Donc c'est pas mal comme petite série. Donc je l'ai reprise depuis le début parce que je comprenais plus rien, saison 3. Et les petites choses que je voulais vous montrer de chez Merci Andy, parce que je pense que je vais clôturer après ce vlog aujourd'hui ici. Alors j'ai reçu deux petites choses, j'ai reçu celui-ci qui est le Heavy Petal, qui se présente comme ceci, donc il doit être à la cerise je crois. D'ailleurs je vais m'en mettre un petit coup, je reprends dans le bon sens. Et j'ai reçu également une crème pour les mains Chérie Chérie, qui est à la cerise, elles sont ultra bon et elles sont super super ces petites crèmes, franchement je les aime beaucoup. Donc ça, le petit celui-ci il va aller dans la voiture, je crois que j'ai presque fini l'autre, donc bah, celui-ci va aller dans la voiture. Donc je vous mets les petits liens des produits, merci Andy. Donc je vais ranger tout ça, oups là, je vais ranger tout ça. Et puis pour la petite tenue, j'ai mis une petite veste en genre velours comme ceci qui vient de chez Shein, je vous mettrai le lien. Avec un petit top basique de chez H&M et puis une petite paire de boots. C'est voilà, vraiment basique, rapido ce matin, j'avais des choses à faire. Donc je vous retrouve demain pour une nouvelle journée, mon fils cet après-midi, moi j'aurais bien voulu y aller avec le collège, ils vont voir, ils vont au ciné, ils vont voir E.T. Ils doivent travailler dessus en français, moi j'aurais voulu bien y aller E.T. et puis j'aurais préparé mes mouchards, pourtant je le connais par cœur ce film, mais j'adore et chaque fois je pleure. Donc
quand Titi meurt, et ben, et je pleure. Et je pleure. Donc, j'ai dit à mon fils ce matin, tu prévois les mouchoirs? Et je suis sûre qu'il va me dire, oui, il est triste, hein, il est triste. Donc, quand je lui ai dit ce matin, j'ai dit, tu sais que c'est Iti que tu vas voir? Elle me dit, oui, oui, je sais. Il me dit, il est bien. Donc, voilà. Donc, j'aurais bien été avec eux. Moi, je dis, je peux venir en tant qu'accompagnatrice? Il me dit, bah non. Elle me dit, on est grand maintenant. Voilà, on est grand maintenant. Donc, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Et on se dit à de suite pour vous pour une nouvelle journée. On est mercredi, il est pas loin de 10h je pense. Ouais, 9h42. Ce matin, je me suis maquillée avec la palette, la même palette qu'hier, la Utopia, c'est ça, ouais. Voilà, Flawless Utopia. J'arrive à l'attraper sans mettre les ongles dedans, ça serait formidable. Donc j'ai utilisé le fard qui est ici, sur la paupière mobile, qui est magnifique. C'est un très très joli fard, avec le fard Serenity qui est un fard marron, et le fard Bohemian pour le ras de cils. Donc en fait j'ai utilisé que 3 fards sur cette palette là pour aujourd'hui. Donc elle se travaille très bien. Je vais l'utiliser je pense toute la semaine pour avoir un avis dessus. Puis si vous voulez voir différents make-up avec, bah, je vous laisserai aller voir sur mon Instagram, hein. Je vous le remets ici, mon Instagram, et il est en barre d'infos également. Et pour le rouge à lèvres, j'ai fait un petit combo. J'ai fait un combo avec un rouge à lèvres Girl Lactic. Je sais pas si on peut encore les trouver, ceux-là. Donc celui-ci, c'est le Stellar. Donc c'est un rouge à lèvres mat normalement. Et par-dessus, je suis venue mettre un rouge gloss, enfin un gloss rose. La gamme Chloé Morello, c'était le petit trio de icing gloss que j'ai eu de la marque Pixi. Je vous remettrai la petite vidéo si vous ne l'aviez pas vue. Et celui-ci, c'est le bonbon. 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 Et j'ai mis en muqueuse le crayon doré qui était dans la petite collection que je vous ai présenté, Dr Pierrico. Et la poudre, hein, comme je vous l'ai dit, comme hier j'avais dit que je la poserai par-dessus la poudre matifiante. Et franchement, c'est beaucoup mieux. Ça fait vraiment lumineux et c'est beaucoup mieux. Ouais, donc celle-ci, je vais l'utiliser comme ceci. Donc, et pour le petit fond de teint, mon abla, que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le petit make-up du jour. Alors au programme ce matin... Là il est 10h, je vais aller faire mon petit gâteau pour le dessert de ce midi et le goûter de cet après-midi. Un petit gâteau croque kilo qui est dans le programme croque kilo, hein, puisque je le suis toujours un peu à ma sauce. Puisque voilà, là j'ai repris correctement le rééquilibrage alimentaire. J'ai arrêté les médicaments pour le S2I pour voir si j'ai un bénéfice. Donc voilà, on a arrêté, ça fait à peu près 15 jours. 15 jours que j'ai arrêté, donc pour l'instant de temps en temps il y a des petites douleurs, mais ça va. Donc comme ce médicament me fait grossir, eh bien j'en profite là pour vraiment me mettre correctement au niveau alimentaire. Donc ça va, je suis contente, j'ai repris correctement depuis lundi. Donc je fais un petit peu à ma sauce, je m'inspire des recettes croque kilo parce que ça permet d'avoir des idées. Je m'inspire un petit peu du plan, c'est-à-dire s'il y a du fromage, s'il y a un laitage, etc. Ce matin j'ai mangé quoi? Ce matin je voulais vous photographier, je l'ai pas fait. C'était 3 petites tranches de pain de mie complet avec un petit peu de beurre, 100 g de fromage blanc et il y avait un kiwi. Et ce midi je pense que je vais faire quelque chose de rapide puisque comme je vous l'ai dit hier, on a rendez-vous à la caserne, enfin au centre de secours de pompiers général à Évry, pour la visite médicale d'Enzo pour ses jeunes sapeurs-pompiers, puisqu'il doit en faire une pour voir s'il est apte pour pouvoir continuer, en fait, tout simplement. Qui devait être normalement faite pendant les vacances scolaires, mais apparemment le médecin a eu un empêchement, donc ils l'ont déplacé là au 13. Donc on a rendez-vous à 15h30, donc je pense qu'on va partir au moins à 14h30, ouais, je pense une bonne heure avant. J'espère que ça devrait être bien et que j'arriverai à trouver dans Évry, parce que Évry, c'est un petit peu... voilà, moi j'aime pas trop la grande ville. J'aime pas la foule, j'aime pas les... Quand il y a beaucoup de circulation, faut pas me dire d'aller dans Paris, je suis incapable de conduire dans Paris. Voilà, donc je pense que ce midi, je vais faire à manger des petits œufs brouillés avec un petit peu de pâte et avec un peu de fromage, et en dessert, et bien une part de ce gâteau-là, l'ananas. Donc je vais venir vous prendre avec moi en même temps que je fais le petit gâteau, et je vous mettrai sur le côté une petite capture d'écran de la recette, comme ça, ça vous permettra, si vous voulez le réaliser, de le faire également, de faire une petite capture d'écran sur votre téléphone, ou une photo sur votre écran d'ordinateur. Voilà, donc je vais ranger tout ça, je vais juste prendre mon rouge à lèvres et ça pour le faire une petite retouche après manger. Je ne suis pas parfumée ce matin, donc j'ai pas... Qu'est-ce que je vais mettre comme parfum aujourd'hui?
On va mettre celui-ci. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les parfums NOX. Celui-ci, c'est le dupe de l'interdit de chez Givenchy. Et j'ai un code promo, hein, si vous voulez, de moins 10% qui est valable tout le temps. Ah, ils sont trop bons. Et c'est vraiment très très proche. Moi, j'en ai pris dans la bouche. Là. Donc, je vous mets tout ça en barre d'infos. On va éteindre tout ça. On va prendre le téléphone. Je voulais revenir aussi sur les petits gels douche. Je viendrai faire mon lit après. J'ai pas eu le temps de faire. Je voudrais faire mon gâteau d'abord. Je voulais revenir aussi sur les petits gels douche de chez Yves Rocher. Vous savez, les gels douche collection, de la collection Noël. Alors, je n'ai pas encore ouvert mes volets parce que comme il fait tellement froid, ça a toujours gardé un petit peu de chaleur. Donc, je voulais faire un point aussi sur les... je vais ouvrir les volets en même temps, je vous parle. Hein. Si j'étais avec une copine, quoi. Et je voulais vous faire un point sur les gels douche Yves Rocher. Un point sur les gels douche Yves Rocher. Vous savez, celui qui était à la... Hop. Celui qui était à l'amande et celui qui était à la... à l'orange, cèdre ou truc comme ça. Et je vous disais, avant d'être coupée par la sonnette, je voulais vous faire un point sur les gels douche. Donc il y a celui qui est le premier flocon là, qui était au senteur un petit peu amande, qui était un petit peu au senteur assez gourmande, ça j'adore. Par contre, le vert qui était orange cèdre, je crois, ça j'aime pas du tout. C'est mon mari et mon fils qui l'utilisent du coup. Je trouve que c'est assez masculin et j'aime pas du tout l'odeur. Alors, j'ai pris une bougie, j'espère que ça va pas sentir comme ça. Je pense que je vais la descendre et je vais la tester ce soir. Mais j'aime pas du tout, du tout l'odeur. Et oui, là j'ai été interrompue. Voilà, j'ai une commande fournisseur qui est arrivée. Qui devait être livrée hier après-midi, qui n'a pas été livrée. Moi je me suis dit, évidemment ça va être livré cet après-midi. Que je ne suis pas là. Et quand c'est comme ça, je ne sais pas comment ça se passe, puisque c'est une société qui est basée à Bordeaux. Donc là, j'ai envoyé un message à mon chéri, puisqu'il a dû décaler des clients qu'il avait prévus ce matin, parce qu'il avait des choses à poser ce matin. Et je vois qu'il y a deux vases d'expansion. Je ne me rappelle pas s'il avait commandé deux vases d'expansion. Donc je vais ouvrir tout ça. Après, je vais faire d'abord mon petit gâteau. Et puis après, bah, je vais checker les colis. Donc j'installe tout. Et puis je vous montre, je pense, une fois que le gâteau sera fait. Comme ça, c'est un gâteau à l'ananas, il me semble. Je regarde, attendez voir. Gâteau à l'ananas, c'est ça. Donc, je vais faire ça et je vous retrouve tout à l'heure quand il est fait. Voilà, je reprends, il est 11h30. Je viens de finir le gâteau. Donc, il a fallu plus de cuisson que prévu. Hein. Il avait écrit 25 minutes. Moi, j'ai mis moins de 40 minutes. Ça avait du mal à cuire dans le centre. Donc là, je l'ai retourné. Mais sur le dessous, on a l'ananas. J'ai mis un petit peu de sucre glace par-dessus. Et là, j'ai mis imbibé avec un peu de sirop. Pas trop, parce que sinon, ça va être trop mouillu. Et on n'aime pas trop quand c'est comme ça. Bah. Donc, on va tester ça ce midi. Puis, je vous dirai si c'est bon. J'ai checké la commande aussi du fournisseur. Là, ça y est, c'est fait. Il manque rien. Tout est OK. Donc, je ne sais pas si mon chéri va repasser par ici pour reprendre ce qui lui manquait. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a les joints qu'il lui fallait. Alors est-ce que c'est ça est-ce que c'est ce truc là qu'il lui fallait? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas les joints. Je sais pas. Enfin bref. Donc là il est 11h20. Enzo finit à midi et demi. Il est là 1h moins le quart. Là je vais bosser un petit peu. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour vous dire si le gâteau était bon. Je vous reprends, il est 14h, comme vous voyez il y a le bazar mon fils qui est là derrière. Le gâteau était très très bon, franchement très très bon. Par contre au niveau de la cuisson, il m'a reçu la recette 25 minutes, moi j'ai mis au moins 35 minutes de cuisson sans problème, hein, à 200 degrés. Donc là je vais aller chercher le courrier s'il y en a. Et on s'apprête à partir donc pour Évry pour aller à la visite médicale. Donc je pense qu'il y en a pour une bonne demi-heure de visite médicale. Et puis... j'espère qu'il va être à l'heure. Voilà, parce qu'on a rendez-vous à 15h30. Ouais, j'espère qu'il va être à l'heure. Et quand je rentre, j'ai le commercial de. J'espère que voilà que ça va pas durer trop longtemps, parce que j'ai le commercial, un commercial qui passe ce soir pour j'ai des règlements à faire. Et puis on a des petites commandes à passer. Donc j'espère que voilà. Donc j'ai laissé les chèques pour le commercial avec un post-it pour mon mari tout à l'heure. Donc j'espère être rentrée.
Donc je vais au courrier, je vais chercher le courrier et puis bah, je vous retrouve tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu voilà, la visite médicale, s'il est apte ou pas apte. Bon, je vous reprends, il est 6h moins le quart, on vient de rentrer. Voilà, là, Evry, la mission. Ah, il se marre parce que je vais vous raconter, il se marre. Une belle boutade. Non, non. On avait rendez-vous à 15h30. Je me suis dit, on va partir à 14h30. On prend de la marche parce que pour se garer, c'est quand même pénible. Donc, je me dis, on part à 14h30 pour qu'on ait de la marche, pour trouver une place à stationner parce que c'est pas facile, nanani, nanana. On arrivait là-bas à 15h, je dis, c'est cool, on a 30 minutes de marche, nickel. On a mis je sais pas combien de temps à trouver une place à stationner. Les seules places dispo qui étaient, c'était des créneaux. Je ne sais pas faire un créneau. Ça fait 23 ans que j'ai mon permis, je n'ai pas fait un seul créneau en 23 ans. Et je ne sais pas en faire, et voilà. Premier créneau, je dis, bon, bah, va falloir qu'on tente, hein. Je dis à Enzo, tu descends de la voiture, tu me guides. Il me guide tout à l'envers. Il me mais dit, j'ai pas mon permis, non, moi. T'as pas ton permis, mais tu peux me dire à gauche, à droite. Donc, j'ai fait un créneau, mais au milieu de la route. Au milieu de la route. Après, j'ai dit, c'est pas grave, on va trouver une autre place. Bon. Allez, deuxième créneau, j'ai bien réussi. Après, j'ai dit, mais il n'y a qu'une place, y a qu'un, là, il y a de la place, il y a du créneau, on recommence. J'ai Enzo, jusqu'au ci, tu me dis dans quel bon sens, hein. Elle me dit, j'ai pigé. Donc, Enzo, il m'a guidé et j'ai réussi à faire un créneau. Victoire! Il était trop fier de moi. En 23 ans, et il me disait, à gauche, tourne à gauche, tourne à droite. Contre-braque. Contre-braque. Donc, résultat, on était garé à 1 km et quelques. Ouais. On a été garé à 1 km et quelques du centre de secours. On a marché vite, vite, vite pour arriver à l'heure. On est arrivé à l'heure. Je sonne pour rentrer au 10 d'Evry. Elle me dit, vous êtes devant le portail? J'ai dit oui. Il me dit en voiture. J'ai dit non, à pied. Ah, parce que vous auriez pu vous garer sur le centre. Je dis, c'est pas vrai. Je m'en fiche. Elle me dit, vous auriez pu rentrer avec la voiture, avec le code, je vous donnais le code d'accès. Je dis, c'est pas vrai. C'était donc marrant. J'ai ça fait pendant une et j'ai l'impression d'avoir fait un combat de boxe, j'ai mal partout les filles. Et films. Bah non, t'as fait un créneau. J'ai fait un créneau. Mais on s'est pris une partie de fou rire cet après-midi. Ça vaut un steak, hein, comme on dit. Hein. le fou rire qu'on s'est payé. Enfin bref. Donc, la visite médicale, donc on s'est dépêché pour arriver à l'heure. Elle nous dit il y a un peu de retard, oui. 40 minutes de retard. Un peu. Bon, 40 minutes de retard. Donc, on a rendez-vous à 15h30. Il est 6h moins 10. Et à savoir qu'à cette heure-là, c'est bouchonné de partout. Un monde sur la route. On a eu de la chance. Et je dis, la cata. Mais tout le long de la route, on s'est pris une biture de rire. Enfin, bref. Que d'émotions pour un créneau. Oui, oui, je sais. Mais moi, j'aime pas conduire. Hein. J'aime pas la ville. J'aime pas la foule. J'aime pas, ça m'oppresse. Donc voilà, donc moi vivre à Paris c'est no way. No way, no way, no way. T'aurais eu le rouge à lèvres comme ça. Là tu te serais battu mais avec le volant. Et donc du coup voilà, il est apte, donc c'est le principal. Hein. Vous voyez ce que je suis prête à faire pour lui, un créneau. Ah, on s'est déjà pris les bitures cet après-midi. Ah non mais je vous dis, non mais je vous dis. Bon. Bah sur ce, il est 6h moins 10, le commercial devait passer ce soir, il n'est pas passé, donc j'ai préparé tout pour rien, enfin c'est fait. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Demain, je reteste un con. Je vais aller prendre une bonne douche, me laver les cheveux, ça va me détendre, parce que je suis comme ça, stressée de partout. Et demain, refaire un créneau. Non, demain, pas de créneau. Demain, allez, demain, c'est contrôle. Demain, je vais à Action, il n'y a pas de créneau, c'est des places nickel. Tu vas voir. Demain, c'est créneau et contrôle. Non. Allez, à demain. Nous sommes jeudi. Il est 10h moins 20. Je suis prête. J'ai juste fait le teint aujourd'hui. Et j'ai mis un rouge à lèvres de chez Arc-en-Ciel que j'avais acheté sur le site de Beauté Privée. Franchement, ceux-là, ils sont vraiment top. Ils sont souvent en vente sur Beauté Privée. Focus on me. Merci. Et il est très joli. Et la teinte, c'est la teinte... Mauve orientale est vraiment très sympa. Donc voilà, je suis prête. J'ai mis un petit pull parce que ce matin, je vais à Action, à CA, etc. Je vais commencer un petit peu voir pour certains cadeaux de Noël.
Et je vais également à Action pour essayer de trouver des chaussettes assez hautes pour les Rangers, pour Enzo, pour les JSP. Et il me faut aussi quelques bricoles. Donc j'ai Action, il me faut des petites pinces de bricolage, je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'avais des petites pinces pour mes bijoux, etc. Est-ce que Enzo a mis son nez là-dedans? Je ne les retrouve pas, donc je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc je vais regarder si je trouve ça. J'avais d'autres petites choses à acheter chez Action, donc je pense que si je trouve des choses, vous aurez un haul. Si je trouve pas beaucoup de choses, vous les aurez ici dans le vlog. Donc c'est parti. Et j'ai également reçu ma box charme que je vous ai parlé dans le tiroir beauté, il me semble. C'est un nouveau concept du site Ma Box Bijoux. Donc c'est Ma Box Charme. Donc je vous en parlerai et je vous montrerai parce que je l'ai reçu hier. Donc je vous parlerai un petit peu du concept tout à l'heure. Allez, je vais faire du shopping et on se retrouve de suite. Je suis rentrée, il est 11h30, midi moins 20. Ouais, midi moins 20. J'ai cette mèche là qu'il faut que je rattache derrière, ça bique. Donc je suis allée en premier à Action à Villabé, pour celles qui connaissent, dans le 91. J'ai vu sur la porte, petite info, qu'ils allaient ouvrir les dimanches, donc je pense que ça doit être tous les Actions. Ils vont ouvrir les dimanches matin de décembre de 10h à 18h. Donc ça peut être sympa si vous voulez vous faire un petit cadeau. Je vous mettrai ici également, pendant que je parle, les petites photos que j'ai prises, des coffrets cadeaux, Actions, etc. Donc j'ai acheté pas mal de petites choses. Donc je pense que je ne vais pas vous montrer là puisque je pense que je ferai un haul. Parce que je pense que je vais retourner la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai un sac plein. Donc je pense que je vais vous tourner la vidéo demain. Puis vous l'aurez là dans le mois de novembre. Je suis également allée chez Centre Accord parce que... là je vous mettrai également des petites photos. Franchement la déco chez Centre Accord de Noël, c'est magnifique. Donc moi j'ai rien racheté. Parce que cette année, voilà, on ne fait pas Noël chez nous. On fait Noël chez une de mes belles-sœurs. Donc voilà, je ferai la déco du sapin classique, mais je n'ai pas envie de racheter déco, j'en ai énormément. Donc j'ai rien racheté en déco. Par contre, je cherchais des gros coussins pour remplacer en fait mes gros coussins gris qui sont ici. Je vais vous montrer dans l'autre sens. Remplacer ces gros coussins gris que je ne peux pas déhousser. Et quand j'ai peur que si je les lave, j'ai regardé à l'intérieur, donc je peux les ouvrir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même garder les housses, mais l'intérieur elle est complètement, c'est de la moumoute, donc voilà, ils sont déhoussables, mais à chaque fois je ne peux pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce qu'il y a à l'intérieur, je vais récupérer les housses quand même, et ça me permettra quand je trouverai des gros coussins, mais alors vraiment à prix très dérisoire pour pouvoir remettre cela. Parce que je ne pouvais pas laver en fait ce qu'il y avait à l'intérieur. Non, c'est pas possible. La mousse est dans un état pas possible. Donc j'en avais deux. J'en avais un là-bas et un ici. Et j'ai trouvé ceux-là ce matin à 12,99 je crois. Il me semble. Est-ce qu'il y a le prix dessus? Non, il n'y a pas le prix dessus. Donc ils sont du même format. Mais du coup, ils sont un petit peu plus gros, un peu plus moelleux. Donc ils sont aussi déhoussables. Alors par contre, je n'ai pas regardé si c'était... une housse, un coussin qui était dedans, ou si c'était de la mousse. J'ai pas regardé ça dans le magasin, j'aurais peut-être dû. C'est un coussin dedans, donc c'est bien, c'est déhoussable. Que les autres c'était que de la mousse, donc je pouvais pas laver. Après ça ressemble à rien. Donc voilà, j'en ai pris deux. Donc comme ça je vais pouvoir enlever ce qu'il y a dans ceux-là et mettre à la poubelle ce qu'il y a dedans, les mettre à laver, et comme ça quand cela je les laverai et je pourrai récupérer le coussin qu'il y a dedans. Voilà, donc j'avais un bon d'achat de 5 €, donc j'ai pris ce petit miroir là en forme carré où c'est écrit dessus atelier d'artiste avec des petites croix. Il est en doré pour mettre dans ma montée d'escalier qu'on devait refaire cet été, mais mon chéri n'a pas eu le courage. Ni l'escalier, il n'a pas eu le courage non plus. Là, au beau jour, parce que là maintenant avec le chauffage, on peut pas ouvrir les fenêtres. Moi, je vais poncer en fait tout le dessus ici et remettre brut et vernir en fait en bois brut ici. Et tous les cadres que j'ai photos ici, je vais les enlever et on va refaire la peinture. Et je cherche à chaque fois que je me balade, je regarde si les petits miroirs de formes différentes, et j'en avais pas de carré comme ça. Donc lui, il était à 3,99 €. Et les coussins à 12,99 €. Donc comme j'ai eu un bon d'achat de 5 €, avec la carte, quand vous cumulez tant de points, vous avez des bons d'achat de 5 €. Donc c'est vraiment sympa. Et franchement, Centre Accord, c'est top, top, top. Donc là, il est midi. J'ai déjà fait mon repas d'hier. Hier soir, j'ai fait une paella
Paella, je sais plus quoi, végétarien, croquilo, c'était délicieux, donc il en reste ce midi. Je vous mettrai la petite recette ici en capture d'écran, c'était super bon, super bon. Là, il est midi moins 20, je vais aller faire quelques photos pour Vinted, je vais aller mettre quelques pièces en vente pour Vinted, c'est-à-dire, je pense, quelques highlighters, quelques kits rouges à lèvres, etc. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Vinted, je pense que j'en mettrai au fur et à mesure là, ce week-end. Je pense que je vais en mettre au moins 7-8 aujourd'hui, comme ça, ça me permet, parce que j'ai repris des enveloppes bulles, j'en avais plus, donc je me suis dit, si j'ai des choses à envoyer, j'aurai pas ce qu'il faut. Donc, voilà, ah oui, je vous avais dit que je vous présentais la box Charme. Je vais vous la présenter maintenant parce que je pense que je vais clôturer ici le vlog. Donc comme je vous le disais sur la vidéo tiroir beauté, je crois, c'est ça, ma box bijoux avec lequel je reçois la box tous les mois gratuitement, donc de la part de Sophia, la créatrice de la marque. En fait, ils ont lancé une box qui s'appelle Ma Box Charme, avec le principe d'avoir dans cette box un bracelet en acier inoxydable, donc soit doré ou argenté, avec déjà un petit charme là. Donc là, l'occurrence, je vais vous le montrer dans l'autre sens. Donc vous recevez le petit bracelet dans ce petit pochon. Et le but de cette box, donc là, la première box est à 30 €, mais vous avez un code promo ici. Je vous le mets avec mon code promo, ce qui vous permet d'avoir moins 50% sur la première box. Donc ne payez que 15 € la première box avec le bracelet, soit argenté, soit doré, avec le petit charme, genre petite étoile, je vous le montrerai après, et ainsi que le charme du mois. Donc pour 15 €, ça vous fait le petit bracelet pour accrocher vos charmes de tous les mois, et après c'est un abonnement qui est à 15 € tous les mois, résiliable en un seul clic sur le site. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, je vous mets également le code promo, et je vous fais voir ça d'un petit peu plus près dans l'autre sens pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous recevez le petit bracelet dans un petit pochon comme ceci, dans une enveloppe classique bulle. Vous avez le bracelet en acier inoxydable, donc vous pouvez vous doucher avec, et vous avez le petit charme qui est ici. Donc ça, c'est le premier charme bracelet qui est ici, avec le premier charme qui s'attache ici. Donc moi, j'ai rajouté une petite chaînette d'extension parce que je trouvais que le bracelet était un peu court pour moi, et j'aime pas quand c'est serré au niveau des bracelets, mais il ferme. Donc pour mon poignet, donc si vous êtes rondouillette, ça ferme. Donc moi, j'ai rajouté quand même une petite chaînette pour que ça ne serre pas trop. Donc le premier charme qui est avec le bracelet est comme ceci, et le deuxième, donc le charme du mois. Recevez le charme dans un joli écrin comme ceci, donc ça permet de les conserver après. Donc là, c'est une genre de... Donc chaque petit charme est avec un petit pendentif comme ceci. Et vous avez ici un genre de soleil avec du noir. Donc vous pouvez les accrocher aussi bien d'un côté comme de l'autre, et au fur et à mesure compléter votre bracelet. Donc ça permet tous les mois d'avoir un charme différent et de compléter votre bracelet de charme. Je trouve l'idée vraiment sympa. Il y a Noël qui approche. Donc là, ça vous fait 15 € la première box pour avec le bracelet, donc une valeur de 30 € puisqu'on a deux charmes plus le bracelet. Donc finalement, ça fait même plus que 30 € parce que normalement, c'est 15 € le bracelet, 15 € le charme. Donc franchement, donc là, ça vous fait moins 50% avec mon code promo. Ça peut être une super idée de cadeau pour Noël. Je vous mets tout ça en barre d'infos, le lien, etc. Je vous l'aurai déjà présenté sur, je pense, sur Instagram. Donc, vous voyez, c'est écrit ici, ma box charme à l'intérieur. Est-ce qu'on va me faire le focus? Donc, je trouve le concept vraiment très, très sympa. Donc, voilà, je vais aller prendre les photos, comme je vous l'ai dit, de quelques produits sur Vinted. Je vais aller mettre ça sur Vinted. Et je pense que je vais clôturer cette petite semaine avec moi ici, parce que demain, demain j'ai beaucoup de travail au niveau de la société, j'ai des commandes fournisseurs qui arrivent le matin, etc. Et voilà, donc demain j'avais pas envie de vlogger. Et comme je vous l'ai dit, je vlog à l'envi, comme tout ce qu'il y a sur ma chaîne, c'est à l'envi. Donc voilà, j'espère que ces quelques jours avec moi vous ont plu. Et puis on se retrouve, je pense, dimanche prochain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao!